Bonjour Alexis. Bonjour. Alors comment ça s'est passé le match d'hier pour toi? Ah, ça s'est bien passé, je suis bien rentré en match et puis après je me suis un peu mal au genou, donc je pense que le coach m'a pas préservé. Mmh. Qu'est-ce que tu penses de la défaite, le bilan? Je pense qu'on aurait pu gagner le match, c'est un peu décevant. Mais bon, on a encore l'opportunité de gagner le match aujourd'hui, donc on peut donner ça aujourd'hui. Okay. Revenons sur ta venue là à Londres. Qu'est-ce que ça te fait de jouer des matchs de saison régulière en Europe? C'est intéressant, je vois. C'est un peu bizarre parce qu'on c'est un peu mieux de la saison, mais bon, à notre côté, c'est intéressant parce qu'on revient en Europe. Donc, je pense que tous les Européens, on est assez contents. J'ai vu que à un moment, t'as pas mal défendu sur Johan. Comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est bien passé. On avait dit qu'on était de retour aux entraînements en équipe de France, donc c'était assez sympa. On te connaît pas trop en Guadeloupe, est-ce que tu peux nous rappeler un peu tes origines là-bas? Ma famille vient du Moule, toute ma famille vient du Moule et habite encore au Moule. Donc j'ai le temps, je retourne au Moule. Je vais à l'autre bord ou sur la place du Moule et je joue au basket là-bas. Ok. Après ton parcours rapidement? J'ai fait l'INSEP 2003 à 2006 et puis après j'ai fait 2 ans pro à ma première année à Port Thès et puis après je suis parti à Toulon. J'ai fait une assez bonne saison, surtout en semaine des As. J'ai fait un record de contre. Puis après j'ai été sélectionné en équipe pour aller en NBA en 2008 par Charlotte en plus en 20e et puis j'ai fait 2 ans. Et puis l'été dernier, je me suis transféré à Dallas. Et puis après ça, je me suis encore fait transférer à Toronto. Et puis voilà. Ça se passe comment à Toronto? Ça se passe très bien. Les coéquipiers, c'est sympa. Et puis la ville aussi, très, très, très sympa. Quoi. Ok. Pour finir, un petit mot pour le pays? J'irai à cet été. Parce que le soleil, j'en ai besoin là. Pagnon Bitin dit en créole. On peut dire à plus tard, man. Tiens, Bered, pas molly. On l'a quoi. Ok, yes, I.